Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par le Centre de Formation World Trade Institute et animé par Wall Data. Euh, je me présente, je suis Mathieu Toft, votre chargé euh, de mission pour ce webinaire ce soir et au quotidien, euh, et je vais voilà vous accompagner ce soir. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la problématique suivante, euh, la solution incontournable qui est les divergences. Euh, en assistant à ce webinaire, vous allez comprendre pourquoi votre Master XE et la T-Expert Divergence Pro est le plus euh, abouti des logiciels existants et d'une simplicité exemplaire et des plus efficaces. Tout d'abord, un petit rappel de piqûre de Data. Donc, en tant que précurseur de l'analyse technique en France depuis 1986, nous nous efforçons d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes qui sont basées sur l'analyse technique moderne. Le Wallmaster XE, hein, votre Wallmaster XE, est un logiciel ultra complet qui répond aux besoins réels des particuliers comme des professionnels des marchés. Que vous soyez un débutant ou un boursier avisé, vous disposez avec ce logiciel d'une arme efficace et redoutable face à tout type de marché pour détecter les meilleures opportunités et connaître le meilleur moment euh, pour intervenir. Donc vous l'aurez compris, le Webmaster permet de sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer vos positions. Sans plus attendre, nous allons annoncer le plan de ce webinaire. Euh, le contenu euh, va commencer par une brève introduction. Euh, nous allons euh, annoncer voilà, les objectifs du webinaire euh, et nous allons enchaîner sur la première partie, la présentation de la T Expert Divergence Pro. Donc, on, on va détailler la définition des divergences, divergence hein, baissière, divergence haussière. On va voir pourquoi la T Expert peut détecter les vraies divergences, hein, la force du mouvement, la mesure de l'ampleur de correction entre les deux swings. On va aussi détecter des divergences à l'aide de nos Market Analyzer, qui sont une exclusivité Wall Data. On va présenter les fon la fonctionnalité et les différentes fonctionnalités de ces markets. Et on va aborder quelques astuces d'utilisation. Nous verrons par la suite la mise en place de la stratégie de trading. Donc les objectifs euh, sur les cours. Donc tout simplement euh, moyen, long terme. Et puis nous verrons le stop de protection les calculs et contrôles du risque euh, reward de ce ratio ce fameux ratio qui est intégré dans cet expert et la deuxième partie abordera la colonne validation euh, de la divergence l'assistant visuel probabilité de retournement et euh, chart expert les deux derniers points sont euh, voilà des points euh, complémentaires qui s'ajoutent à cette méthode pour avoir un degré de précision supérieur donc nous allons tout simplement commencer avec l'introduction. Euh, L'annonce euh, de l'objectif est simple la divergence haussière ou baissière est un signal précurseur de retournement de tendance des plus fortes qui existent en analyse technique. Mais c'est aussi l'un des signaux les plus populaires hein, qu'aucun trader ou investisseur n'a le droit d'ignorer. Donc, quel que soit le marché euh, sur lequel vous travaillez, que ce soit le Forex, les actions, les CFD, les indices ou les métaux précieux euh, euh, ou n'importe quel horizon de temps, la stratégie de trading qui est basée sur les divergences euh, vous permet de mettre en place une méthode de swing euh, qui est vraiment efficace. Donc les investisseurs à plus long terme trouveront dans les divergences un outil technique idéal pour optimiser leur point d'entrée sur le marché et les moments opportuns pour prendre leurs bénéfices hein, quand il faut sortir si jamais on a euh, peur d'une baisse. Afin de vous permettre d'exploiter au maximum le signal donné par les divergences et d'économiser un temps précieux, Data a créé pour vous l'AT Expert Divergence Pro. Il se charge de vous détecter les divergences, vous mettre en place un plan de trading et des objectifs et des stops, et de vous faire un suivi de vos positions. Donc au cours de ce webinaire, on va apprendre comment détecter et analyser les divergences à l'aide de votre AT Expert. Et on verra aussi apprendre à confirmer les signaux détectés à l'aide des autres outils disponibles par votre Wallmaster XE. Alors, on va se lancer tout de suite sur la partie 1 euh, qui va être euh, directement sur le webmaster À partir de maintenant, on va rester sur le webmaster Xe. Donc, bienvenue sur le webmaster Xe et bienvenue sur la T Expert Divergence Pro. On verra, on, on le customisera un petit peu à la fin, mais en tout cas, voilà. Euh, on va commencer par sa présentation. Euh, la définition des divergences, donc du point de vue de l'analyse technique, une stratégie de trading basée sur la détection des divergences, c'est une stratégie de contre-tendance. En règle générale, une divergence met en évidence une perte de vitesse dans une tendance. D'accord Si vous avez euh, des questions ou si vous avez un passage dont vous ne comprenez pas bien euh, le, le, le sens ou si vous avez besoin de précision, euh, n'hésitez surtout pas à euh, me lancer à travers le chat qui est ouvert, qui est disponible à tous, vos questions, je serai, ça me fera un plaisir d'y répondre à chaque fois. Prenez le temps, on est là ensemble ce soir. C'est pour en profiter. Donc, une divergence baissière. On va en sélectionner une. On va prendre par exemple celle de Legrand. D'accord. En tendance haussière, une divergence baissière apparaît lorsque les nouveaux sommets des cours ne sont pas accompagnés par de nouveaux sommets sur les indicateurs d'élan tels que le RSI, le Momentum, la MACD, et etc. Du point de vue chartiste, pour identifier une divergence baissière, il faut donc disposer d'au moins deux pics sur les cours et de deux pics sur l'indicateur. Inversement, pour tracer une divergence haussière, nous avons besoin d'au moins deux creux sur les cours et sur l'indicateur. Donc tout au long de ce webinaire, on va démontrer ce qu'on précise à l'oral. Hein. Donc, qu'est-ce que. On va voir déjà les deux pics pour la, différence, la divergence baissière. Donc, on en a un premier ici, d'accord Un deuxième ici. Ça, c'est nos deux pics. On est actuellement, comme on peut le constater, dans une tendance qui est haussière. Alors, ce n'était pas un rond qu'il fallait maintenant c'était plutôt une droite qu'on va prendre ici, hop on voit qu'on est plutôt dans une tendance haussière. Euh, et on observe sur notre indicateur ici, sur, là du coup, ça sera sur l'oscillateur, la divergence. D'accord euh, On a juste à passer la souris ici dans, sur les, euh, les, si vous voulez, les, les indicateurs qui sont validés pour avoir directement le descriptif et comprendre exactement ce qui se passe en détail. Et ça, on le verra un petit peu plus tard. On va compléter sur euh, les divergences haussières. Donc là, on va donc saisir une divergence haussière. On va prendre, par exemple, euh, celle qui est toute nouvelle de Rex. Ou on peut prendre aussi celle de Umicore. Euh, tout simplement, on va, on va se baser sur, sur celle de, de Relsk. Euh, donc, une, en tendance baissière, on voit bien qu'on est en tendance euh, baissière ici à nouveau. D'accord Donc, pas de souci par rapport à ça. Une divergence haussière apparaît lorsque les nouveaux plus bas des cours ne sont pas accompagnés par des nouveaux plus bas sur les indicateurs. Donc, sur les indicateurs. Donc, ici, on a quoi On a ici deux euh, plus bas ici. Et on a sur les indicateurs pas de plus bas. C'est ça qui est important, c'est de bien comprendre que justement, du coup, sur les indicateurs, on n'a pas ce qui se passe sur les cours. Les indicateurs vont en contre-tendance par rapport euh, à nos cours. D'accord On va euh, tout de suite constater... Des divergences, euh, comment on va détecter ces divergences Donc, en analyse technique, le piège classique consiste à avoir de fausses divergences. La simple lecture des pics et des creux des indicateurs et des cours ne suffit pas. Pour être pertinent, une divergence doit mettre en évidence une réelle perte de vitesse d'un mouvement. Donc, pour ça, il y a des règles simples à respecter un hein, chartisme euh, qu'on va aborder. Donc, déjà, premier critère, la force du mouvement. Premièrement, une divergence est pertinente uniquement lorsque le mouvement qui précède a été suffisamment fort. Donc, dans le cadre des indicateurs bornés tels que le RSI ou la stochastique, on considère que le mouvement est suffisamment fort lorsque l'indicateur se trouve dans une zone de surachat en tendance haussière ou la zone de survente en tendance baissière. Le premier point d'une divergence baissière doit donc commencer dans une zone de surachat. De même, le premier point d'une divergence haussière doit commencer dans une zone de survente, ce qui paraît absolument logique. Dans le cas des oscillateurs non bornés tels que le MACD ou le momentum, il faut que la divergence intervienne à une distance importante par rapport à la ligne centrale de l'indicateur. Le deuxième critère, euh, ça va être la mesure de l'ampleur de correction entre les deux swings. Donc deuxièmement, euh, les forts mouvements de correction ne doivent pas avoir lieu lors de la de la divergence, nous avons vu qu'une divergence doit mettre en évidence une perte progressive de vitesse d'un mouvement. Or, lorsque les cours ont fortement corrigé entre les deux swings, on n'est plus dans une situation de perte progressive de vitesse malheureusement. Si on prend l'exemple d'un cycliste qui monte un col, il ralentit fortement à mi-chemin, puis repart en force, on peut imaginer que la pause lui a permis de reprendre ses forces et qu'il a une forte probabilité qu'il continue son ascension. Est-ce que vous comprenez tous le principe bah, on, va, on va répéter cet exemple. Donc le cycliste, il, il, il est en train, il est sur un, une montée, on va dire qu'il monte l'Alpe d'Huez. Euh, il ralentit fortement à mi-chemin, hein, ça lui permet de, de souffler un peu, de prendre une pause et d'un coup il repart en force pour gravir le, ce qui lui reste à, à, à monter sur ce col. Euh, on, on va donc penser que, euh, voilà, sur, ça va être sur le marché, la situation va être similaire. Il y a une forte correction suivie par une rapide reprise euh, indiquée par la force d'une tendance. Donc, la recherche de divergence dans une telle situation peut être très dangereuse. C'est là où on va vraiment euh, faire attention et euh, vérifier les divergences. Donc, afin d'éviter de tomber dans ce piège, il va être important. Euh, de vérifier justement euh, et de mesurer les amplitudes de correction entre les deux swings de la divergence. D'accord euh, Pour les indicateurs bornés, il est essentiel de fixer un seuil d'invalidation. Par exemple, le seuil de 60 et 40 pour le RSI. Ainsi, quand ce seuil va être touché entre les deux pics ou creux de l'indicateur, la divergence peut être considérée comme invalidée. Pour les indicateurs non bornés, nous devons surveiller la ligne centrale. Donc, J'espère que vous comprenez tous le principe. On a réussi à mettre en place, en fait, euh, grâce aux indicateurs, un seuil sur lequel la divergence va être invalidée. Parce que justement, on va être dans cette optique que le cycliste a ralenti pour reprendre des forces, pour repartir dans le même sens, avec, de, avec un peu plus d'amplitude. Voilà, donc, pour se protéger, on a réussi à mettre en place un, un système. Et rassurez-vous, l'avantage d'utiliser votre AT expert euh, Divergence Pro, c'est qu'il se charge pour vous du respect de ces règles chartistes. Il le fait automatiquement à votre place. On va montrer sur le graphique euh, une divergence sur un RSI. Alors, on va prendre, euh, dans le cas présent, euh, celle de Rex. On va donc euh, se mettre sur celle-ci. On va euh, je vais vous montrer le seuil d'invalidation et le seuil de survente donc deux, deux possibilités soit on le regarde ici sur euh, bien sûr l'oscillateur qui est là euh, soit hein, on le regarde tout simplement sur les indicateurs qui sont ici en haut euh, donc on peut passer la souris dessus on va se mettre sur le RSI donc si on se met sur le RSI on a euh, du coup l'explication qui va vous être euh, donnée à ce moment-là alors regardez bien. Ici, la ligne en orange va être le seuil d'invalidation, d'accord Là, on l'a placé à 40. Et on a le seuil en vert, le seuil de survente qu'on a placé à 30, d'accord Donc là, on comprend que euh, c'est très simple. Il faut qu'on soit en dessous de ce seuil de survente pour que la divergence haussière puisse être détectée. Mais il ne faut pas que le maximum atteint entre les deux, donc hein, entre, les, entre les deux swings, passe ce seuil d'invalidation qui est à 40. D'accord Est-ce que euh, tout le monde me comprend bien sur ce point Je vous laisse me poser des questions euh, sur, sur cet élément. Allez-y, à travers le, le, le chat. Oui, alors oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc tout à fait euh, à la hausse comme à la baisse bien sûr. Hein. Donc si on prend une, une, une divergence à la hausse, à la baisse, euh, on va reprendre le cas de le grand, d'accord. Euh, voilà, on se, on se focalise sur le RSI, on regarde, c'est pareil. Euh, du coup, ça va juste être inversé hein, mathématiquement. Donc ça va être dans l'autre sens. Par contre, là, on a un seuil de surachat qui va être à 70 dans ce cas-là, et on va être à un seuil d'invalidation de 60. Et on voit bien qu'on a le minimum euh, atteint qui a été donné. Voilà, tout simplement. Donc, on a vraiment toutes les informations euh, à vue d'œil avec cet ATEXPER euh, Divergence Pro qui nous permet de contrôler ce qu'on va faire et de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'en analyse technique des signaux, on peut en avoir des milliers. Ce qu'il faut, c'est avoir des signaux qui sont bons et sur lesquels on peut quand même continuer d'étudier et être sûr de ce qu'on fait. Voilà. Euh, ne pas se précipiter, mais étudier ce qu'on fait et faire les choses correctement. Cet AT Expert Divergence Pro dans votre Wallmaster XE vous le permet. Je pense que du coup euh, c'est très clair. J'ai plusieurs, voilà, bah, merci euh, Monsieur M de me le dire. J'ai plusieurs personnes qui enchaînent sur cette pensée. Donc je vous remercie pour ça. Donc on va pouvoir passer à la détection des divergences à l'aide des Market Analyzers. Donc les Market Analyzers, c'est ce qu'on a dans le Wallmaster ici. I Ici sur la gauche, hein, euh, ça va être vraiment toutes les valeurs d'un marché qui vont être scannées et analysées et qu'on va pouvoir classer en cliquant tout simplement ici, là où est ma souris, par opportunité. D'accord Les opportunités se mettant en top de liste, tout simplement. Donc, euh, les Market Analyzer, c'est la technologie exclusive de Wall Data et ça vous permet de détecter et surtout d'avoir une rapidité qui est extraordinaire dans vos analyses. Donc, on a ici euh, dans la t-expert divergence les trois colonnes, information sur la valeur, hein, on peut voir constater tout ce qui se passe sur la valeur dans la journée, d'accord L'analyse des volumes, etc. On a euh, ici la détection des divergences, avec différents éléments qu'on va expliquer juste après, et on a la colonne validation de la divergence, d'accord on va juste euh, regarder euh, la légende qu'on peut aussi faire sortir ici. Donc il n'y a pas que ici sur le graphique. Hein. C'est-à-dire que quand vous passez ici aussi dans votre market analyzer, par exemple sur le RSI ici, vous avez aussi cette légende qui est donnée et aussi tout qui vous est expliqué. Comme ça vous êtes sûr de ce que vous faites et euh, voilà, vous n'êtes vous jamais perdu. Pareil, hein, ce n'est pas, pas figé, c'est-à-dire que si vous mettez euh, votre souris sur l'évolution de la divergence, on va vous sortir le graphique de cette évolution avec les détails concernant cette évolution pour cette divergence. Si vous mettez sur le ratio, on va vous expliquer le ratio. Si vous le mettez sur le RSI, on va vous expliquer le RSI de cette divergence. Pareil pour la stock, hein, quand elle est validée. Pareil pour le WTI ou le même où il y a même 10 autres, on va aller voir juste après. Et si vous passez sur le symbole sur la, la gauche, là où je suis actuellement, tout est aussi expliqué. D'accord Donc, vous n'êtes jamais perdu grâce à votre Wallmaster XE. On va continuer tout de suite sur les 10 indicateurs. Alors, on peut sélectionner. Là, on vous a mis le WTI, le WIPI, le RSI et les stocks. On va vous, mettre, on va vous montrer que justement dans le Wallmaster XE, vous pouvez en sélectionner 10 autres et choisir ce que vous voulez, sur lesquels vous voulez qu'il y ait une validation. Regardez, on les a tous. Donc, on a le CCI, la MACD, MACD Histogramme. MACD, zéro lag, le MFI, le momentum, le ROC, le RSI, la stock ACI et le WTI, d'accord Et vous pouvez les mettre 4 par 4, d'accord Ça c'est vraiment pratique et ça vous permet de vraiment analyser euh, sur une, 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 un large panel d'indicateurs. On va euh, juste aborder des détails du Wall Master qui sont aussi euh, effectifs pour euh, ce module euh, Divergence Pro. Euh, ici, on sélectionne, du coup, là où j'ai cliqué, je recommence, je suis un peu vite. Euh, dans liste d'instruments, on clique, ce qui nous permet de sélectionner nos différents marchés. Ici, on a tous les marchés. Hein. On sélectionne celui euh, qui nous intéresse pour regarder les, différents, les divergences dessus. On peut aussi avoir créé vos, ses propres listes, des listes automatiques. Ou euh, vos portefeuilles bien sûr. Euh, et voilà. Après, il y a même les listes par secteur, l'eurostock. Enfin voilà, c'est vraiment très complet. Vous avez tout ce qu'il vous faut là-dedans. Vous pouvez après changer vos périodes de temps ici. Donc juste à côté. Je clique. Et là on a les périodes de temps qu'on peut choisir. On, soit on les fait soi-même, soit on les programme carrément euh, soi-même en écrivant ce qu'on veut, une minute sur cinq minutes, enfin bref ce qu'on veut. Ou sinon on prend celles qui sont déjà euh, préconfigurées. Pré Hein. Et euh, c'est exactement la même chose sur le graphique. Regardez, c'est ici où il y a ma souris. Hein. Regardez, de toute façon, quand on laisse la souris dessus, tout est toujours expliqué. Changer, euh, changer de période. Hop, on clique dessus. On a les périodes. Et du coup, on va pouvoir prendre sa période pour son graphique. D'accord On verra juste après qu'on va pouvoir superposer des graphiques. Là, ça va devenir un peu assez intéressant. Mais on continue, euh, step by step, étape, euh, étape par étape. Alors... Euh, on va vous juste expliquer l'évolution l'évolution euh, de la divergence. Donc l'évolution de la divergence, on la trouve ici dans cette case et également dans cette case. Donc si on revient par exemple sur Umicore, on a euh, la divergence qui va être donnée sur l'évolution qui est ici, regardez, 21,27%. D'accord Vous voyez là ma, ma, ma flèche où est-ce qu'elle est. Qu elle, est hein euh, elle est dessus, voilà c'est l'évolution. Vous l'avez également ici. Hein, et quand vous passez la souris dessus, tout est toujours expliqué. Vous avez l'évolution. Donc là, on voit qu'on a l'évolution qui est de 21,27 aussi, pareil. Euh, et cette évolution, on va pouvoir carrément avoir, si vous voulez, le graphique de l'évolution depuis la divergence. Donc le nombre de barres en haut, par exemple, si on se remet sur le RELX, on a là une, une évolution de 3 barres. Et on a euh, le euh, cours actuel. Et on a l'évolution depuis sa détection. D'accord donc les barres équivaut bien sûr à la période de temps qu'on a sélectionné. Si on a sélectionné 5 minutes, 3 barres ça veut dire 3 fois 5 minutes. D'accord Voilà. Euh, sur les filtrages du market analyzer, qui, aussi, qui sont aussi très pertinents, on revient ici, hein, là où j'ai cliqué, regardez, ici euh, sur le petit marteau. On clique dessus, on a euh, le menu des filtrages des filtrage et des options. Pardon. On a euh, la possibilité de euh, filtrer par rapport à ce qu'on veut. Donc regardez, afficher toutes les valeurs, afficher les valeurs avec un ratio au-dessus de 2, au-dessus de 3, les haussières, les baissières. Hein, comme d'habitude, on va pouvoir vraiment tout filtrer. On peut même, euh, selon les différentes écoles, choisir est-ce qu'on calcule nos swings du plus, beau, du plus haut ou au, au plus bas, ou sur les corps des chandeliers, ou sur les cours de clôture. Euh, on a la méthode de détection très intéressante, les barres en cours ou les barres clôturées. D'accord euh, On a une petite différence comme ça entre les deux. Euh, et on a bien sûr les paramètres de détection qu'on peut changer à la main individuellement si on a envie. Et bien sûr, les alertes sur Divergence Pro qui sont fabuleuses. On peut être alerté sur les divergences, qu'on soit chez soi ou pas, grâce à un système de SMS, de mail euh, ou de pop-up hein, si on est devant l'ordinateur. Voilà. Donc ça c'est vraiment génial. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ce module sur les réglages et un peu son fonctionnement, on va mettre en place la stratégie de trading. donc votre expert, divergence pro, se charge pour vous de la mise en place du, du plan de, de trading hein, avec euh, les objectifs de cours et le stop de protection. donc pour les objectifs, on a les fibonacci qui sont euh, ici sur notre graphique retracé automatiquement d'accord que vous voyez ici avec hein, les différents niveaux celui-ci 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 à 61 celui-ci à 76 et l'objectif principal à 50% euh, lorsqu'elle apparaît une divergence annonce une correction à venir donc le retracement de Fibonacci permet de déterminer automatiquement les niveaux de support résistance sur lesquels une correction est susceptible de s'arrêter donc dans le cas de la T-Expert Divergence Pro nous allons euh, utiliser les retracements de Fibonacci calculés automatiquement par l'At Expert afin de déterminer les objectifs de cours. Chacun des niveaux représente une résistance, support potentiel, hein, un support potentiel, et les niveaux les plus forts sont 23,6 qu'on voit ici. C'est celui-ci, d'accord Donc ça c'est le support. Hein, c'est le voilà. On a ici le, le support le plus fort, 23,6 faible correction. Et euh, celui de 50 dans le cas d'une correction importante. Et euh, après on a les autres hein, dans le cas d'une correction vraiment euh, extraordinaire. Euh, étant donné qu'une divergence est un signal fort de retournement et suivi souvent d'un retracement de 50% de la tendance parcourue par les cours avant l'apparition de la divergence. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va représenter cela par le V qui est là. On prend le plus haut des cours juste avant et on fait le V et on le euh, met de la même façon, en même similitude, de l'autre côté. Ce qui vous permet, euh, du coup, euh, c'est la raison pour laquelle nous avons fixé l'objectif aussi par défaut à 50% de Fibonacci. Euh, et ça, c'est libre de le modifier. Euh, je vais vous montrer juste après comment on peut le faire. En tout cas, on va juste détailler cette histoire de, de support. Donc, on va les prendre un, un par un et on va regarder. Alors, je vais les entourer. Donc, pour une divergence à la hausse, ceci, c'est le support numéro 1. Ceci. C'est le support numéro 2, support numéro 3, d'accord Support numéro 4, support numéro 5 et support numéro 6, d'accord Tout simplement. Euh, et euh, du coup, le V ici, c'est la correction annoncée par la divergence. Le V que je souligne ici, que je vais euh, même mettre en, en barre, hein, d'accord En barre violette pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. Donc je parle de ce euh, V-là. Hop, tac. Voilà, ce V-là. D'accord Tout simplement. Et le V, le bas du V, bien évidemment, c'est là où la divergence a été détectée. D'accord Bon, désolé pour les, les couleurs. Hein, je sais que tout le monde n'apprécie pas le, le rose-violet, mais euh, elle m'est tombée sous la main. Voilà, tombée sous la main. Alors, euh, plus vous travaillez à court terme et plus vous devez sélectionner comme objectif les retracements, proche des cours, tout simplement. Hein. Ça c'est pas. Je pense que tout le monde, c'est pas farfelu, tout le monde comprend. Euh, si on est sur du court terme, on va pas viser le dernier support ici en haut, le sixième. On va viser le premier support qui est ici. D'accord Voilà. Hein, je vais même mettre des petits 1 dessus, des petits 2 que vous compreniez. Voilà. Donc 2, 3, 4 et euh, alors j'en ai loupé un. Hop. 4, et celui-là c'était le troisième les retracements à 50% et le sixième qui est ici voilà d'accord tout simplement donc là on a nos six supports si on est sur du court terme on va viser le numéro 1 euh, plutôt que de viser le numéro 6 par contre si on est sur du long terme bien sûr on va plutôt viser les supports un peu euh, supérieurs tout simplement Allez-y, n'hésitez pas euh, à poser euh, vos questions euh, avant qu'on euh, n'aborde le réglage du 50% de l'objectif principal de Fibonacci. Alors, comment changer, très bonne question, euh, monsieur C, comment changer en un seul clic les périodes de toutes les colonnes simultanément C'est très simple. Ici, vous êtes dans un market analyzer. Donc toutes les colonnes sont sur la même période de temps. Donc vous allez prendre votre période de temps et tout simplement la changer. Donc là, on est sur du 1 jour, 2 ans. On va mettre par exemple, hein, Donc je, je montre où j'étais, je reviens bien ici, hop, et là on était sur du 1 jour, par exemple, je vais mettre du euh, une semaine sur 5 ans. Et hop, en quelques secondes, il me scanne et m'analyse l'ensemble du marché on est là on est en effet sur l'euro en quelques secondes il le fait et on a les résultats de des divergences sur du une semaine cinq ans d'accord voilà et pareil si on veut revenir sur du un jour deux ans donc c'est euh, c'est euh, pas compliqué et on peut euh, bien sûr changer colonne par colonne ce qui peut devenir très intéressant alors je vous montre euh, de quoi il s'agit. On va par exemple, voilà, élargir le market, rajouter du coup la même colonne divergence, hein, tout simplement. Tac, je rajoute la colonne divergence pro euh, détection des divergences. Il me l'ajoute. Et là, je vais cliquer ici dans l'en-tête. Est-ce que tout le monde voit bien? Je clique ici dans l'en-tête. Là où il y a écrit un jour, deux ans. De cette colonne là, je clique dans l'en-tête de cette colonne là. Et là, je change la période. De cette colonne-là, uniquement. Et là, il me recalcule le market avec les autres colonnes qui sont dans une période de temps donné et la euh, colonne que j'ai souhaité mettre sur une autre période dans, sa, dans la période que j'ai souhaité mettre, tout simplement. Voilà, vous voyez? Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de, de voir est-ce que sur une, du plus long terme, on a une divergence de la même nature ou à contre nature. Et ça, dans notre technique, euh, justement, je dirais, de trading, ça va être super important. Si on a une divergence sur du plus long terme de euh, contre nature, on va devoir l'éviter, ne pas la traiter. Par contre, si on a une divergence de même nature, là, ça devient encore plus intéressant. D'accord voilà, je vais cacher cette colonne pour revenir à l'essentiel comme d'habitude. Euh, on va euh, revenir sur euh, du coup juste les Fibos. Euh, comment on les gère Pareil, on clique ici. Alors, est-ce que vous avez vu Donc c'est ici sur le petit euro là, donc on est en haut. On peut aussi cliquer euh, pareil hein, sur ce petit euro qui est euro qui est ici dans la colonne détection des divergences. C'est la même chose. On clique dessus et là on change. Si on a envie de le mettre à 23, on le met à 23. Si on a envie de le mettre à 100, on le met à 100. Et on peut valider et ça nous le met à 100, d'accord Et là, ça nous recalcule le market encore une fois. Euh, voilà, on va le, le remettre à 50, d'accord Comme ça, on le laisse à 50. Euh, ça, c'est plutôt, voilà, pour du moyen terme, c'est plutôt euh, pas mal par rapport à la période de temps qu'on a bien sûr sélectionnée auparavant. Petite astuce euh, la ligne de vitesse qui relie le plus haut et euh, plus bas représente la vitesse moyenne de baisse ou de hausse des cours. Donc la projection de cette pente dans le futur permet de déterminer approximativement la date à laquelle l'objectif peut être atteint. Donc à condition que la vitesse reste plus ou moins stable dans le temps, bien sûr. Pour le stop de protection. Bon, maintenant qu'on... On a dessiné euh, sur le, le graphique, c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations à l'écran. On va peut-être euh, prendre une, une, autre, euh, une autre divergence, on va, on va revenir peut-être sur Umicore. Sur on va regarder, voilà, là on a, on a, on a euh, un peu plus clair, un, graf, un graphique un peu plus euh, aéré. On va pouvoir regarder ça là-dessus. Donc le stop glissant utilisé par Expert Divergence Pro, il est basé sur le signal de breakout, donc de cassure des plus hauts et des plus bas de X période. Dans le cas de divergence haussière, le stop est basé sur la cassure des plus bas de 5 périodes. Donc ça, par défaut, on peut aussi, bien sûr, le changer comme on l'a vu. Il n'y a pas de souci avec ça. Euh, je vous montrerai juste après comment on le change. Alors là, pour une divergence haussière, qu'est-ce que ça donne On a euh, le stop glissant, qui est un stop qui suit les cours. Donc maintenant il est arrivé à ce niveau-là. Regardez cette divergence a très bien marché. Hein. On était ici, on a fait plus de 50% sur les objectifs de Fibonacci. On a fait même plus de 100% sur les objectifs de Fibonacci. Et euh, là voilà, ça redescend un tout petit peu à ce moment-là. Donc ça se rapproche de ce stop glissant qui suit les cours et euh, on attend euh, de voir euh, voilà jusqu'à qu'il soit euh, atteint. Euh, afin d'éviter de subir le déclenchement de stop à cause de la volatilité, la expert utilise un delta basé sur euh, l'ATR. Pour ceux qui connaissent l'ATR, sinon je vais le détailler juste après. Hein, C'est l'Average True Range, on va le détailler juste après. Et au fur et à mesure que les cours progressent, le stop glissant va se déplacer et protéger votre position. Donc à chaque instant, son niveau actuel est indiqué sur le graphique. C'est pour ça que maintenant il est là. Mais au début, il était bien sûr là. Le stop initial devait être à ce niveau-là. Là, je vais vous le, le tracer. Je vais vous le tracer en rouge. Hop, tac. Il devait être... Voilà, il devait être approximativement par ici. D'accord euh, Je vais vous le, le prendre en rouge. Vous allez mieux le voir. Hop, voilà. Donc le stop initial devait être ici. Bien sûr, il a suivi les cours, donc il est arrivé à ce niveau-là. D'accord euh, Pour une divergence baissière, bien sûr, c'est la même chose. Hein. Euh, euh, mesdames, et Messieurs, on, 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 on constate que le stop glissant, voilà, il, là, il, il est à ce niveau-là. Regardez, encore, d'accord Bon, ça va être l'inverse, du coup, il va être au-dessus des cours, bien sûr, pour de la baisse, c'est logique. Voilà. Une question là-dessus, n'hésitez pas encore. Hein. Euh, je suis là pour y répondre. Bon, j'ai beaucoup de questions, donc bien sûr, je suis obligé un petit peu de euh, cibler et euh, de, 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 de laisser certaines de, de côté, malheureusement. Mais euh, voilà, ne sachez que nous, de toute façon, on est toujours là pour vous répondre euh, quand vous nous appelez. Donc, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, on pourra voir ça au cas par cas après avec un conseiller personnel, il n'y a pas de souci. Pour euh, juste modifier les paramètres. Euh, de ce que va être justement le, le calcul de ce stop glissant c'est pareil ici là où on a changé c'est le même endroit que là où on a changé les paramètres de Fibonacci on clique ici hein, sur le petit euh, taureau. et au lieu de d'être dans la catégorie Fibonacci on descend juste en dessous et c'est là calcul du stop glissant un hein, trailing stop euh, plus haut plus bas là on choisit sa période on peut même euh, choisir son plus ou moins et sur quoi il est euh, basé hein. là on est sur la ok parfait donc ça c'est parfait. Euh, on... D'accord, vous me dites que vous avez compris, donc c'est parfait. Ok, on va pouvoir enchaîner. Très bien, c'est très bien. On... Comme je ne l'ai pas oublié, je devais euh, vous définir ce qu'était l'ATR. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc l'ATR c'est un indicateur qui mesure la capacité de cours à fluctuer à l'intérieur d'une barre. Hein, par défaut, le module ajoute un delta de 0,2 ATR. Ainsi le stop pour les positions acheteuses sera placé légèrement en dessous du plus bas de 5 périodes. Donc le stop pour des positions acheteuses sera placé légèrement au-dessus des plus hauts de 5 périodes évidemment, d'accord Si jamais vous avez envie de retrouver toutes ces définitions, je vous fais une petite piqûre de rappel, nous avons dans l'onglet communauté ici en haut là où est ma souris le euh, mon Wild Data sur lequel vous allez euh, pouvoir trouver euh, la librairie euh, des indicateurs hein, qui est vraiment complète, c'est une mine d'or. Regardez, espace analyse technique, je clique dessus ici, euh, librairie des indicateurs ici, je clique dessus et on a tous les indicateurs ici sur la gauche. Par exemple, on veut l'ATR, il est ici, je clique dessus et on a sa description, sa méthode de calcul, son analyse et son graphique. Et ça, c'est vraiment Wall Data qui le met. Euh, à votre profit, euh, utilisez-le euh, à fond parce que c'est vraiment une mine d'or euh, cet euh, outil, cet, cet espace d'analyse technique. Vous avez vraiment ici beaucoup d'informations et c'est vraiment très très riche si vous avez envie de développer euh, votre savoir. Voilà, on revient euh, sur euh, maintenant la, le calcul et euh, le contrôle du ratio risque-reward, d'accord euh, Donc c'est le euh, risque-reward qui va être ici, d'accord. Donc c'est la stratégie euh, et le money management en même temps. Euh, en fonction de votre stop et de l'objectif de votre at expert, euh, il va calculer automatiquement votre ratio risque-reward. Donc le ratio risque-reward R sur R, il représente le rapport entre les gains espérés et la perte que vous pouvez subir. Donc plus le ratio est grand et plus vos gains espérés sont importants par rapport à la perte que vous pouvez subir. Donc confirmez-moi juste que vous avez bien compris euh, ce que j'ai dit parce que c'est important ce point-là. Il est important. Allez-y, je vous laisse me répondre à travers le chat. D'accord, vous avez l'air d'avoir compris. Ok, parfait. Donc on va pouvoir enchaîner. Donc un ratio euh, à 2 signifie que vous espérez de gagner deux fois plus que ce que vous risquez de perdre. Donc, bien sûr, pour éviter de travailler en bourse comme vous jouez au casino, c'est quand même euh, nettement mieux euh, d'être sûr de ce qu'on fait. Euh, avec les chances de gain de 50-50, il faut prendre euh, des positions avec le RR, euh, donc le ratio là, risque reward de euh, au moins qui sont au moins égal à 2. On va euh, vous montrer euh, ce que c'est dans la T-Sense et justement le code couleur de ce ratio qui a été développé pour vous. Par exemple, si on prend Risk à nouveau, on a euh, ici voilà la stratégie euh, et le money management, donc le ratio qui vous est donné ici de 3,77. Donc comme on disait, quand on est au-dessus de 2, ça commence à être pas mal. Au-dessus de 3, ça commence à être excellent. Et on a un petit feu à côté, tricolore, pareil, qui va vous donner soit rouge, soit vert, soit orange. Si c'est vert, ça vous donne directement euh, le signe que c'est pas mal. Si c'est si euh, orange, c'est moyen. Et si c'est rouge, c'est pas très bien. Alors, pour vous donner une ordre d'idée, vert, ça sera quand ça sera au-dessus de 3. Orange, c'est entre 2 et 3. Et rouge, c'est en dessous de 2. Voilà. Vous l'avez également ici sur la droite, sur le graphique. Hein, D'accord Voilà. Allez-y, continuez de me, de me dire que tout est euh, OK. Ou sinon, posez-moi les questions directement. Comme ça, je vais pouvoir vous aider euh, avec. Je vois que... Euh, ok, merci, c'est gentil. D'accord. Bon, je vois que vous, vous comprenez, c'est pas mal. Ça veut dire que c'est pas mal. On avance bien. Alors, euh, la partie 2 euh, maintenant, la validation et le contrôle des signaux. On va ici rentrer un petit peu dans le détail. Donc, tendez, euh, tendez l'oreille. Euh, on va rappeler que la stratégie de swing trading basée sur les divergences, ça va être une stratégie à contre-tendance. Donc, le risque peut être important si vous ne procédez pas à un contrôle strict et discrétionnaire des signaux détectés. Votre Wallmaster XE, il dispose de tous les outils. Euh, qui vous permettent d'effectuer une checklist rapide des critères qui confirment et renforcent le signal de la divergence. La colonne validation de la divergence qu'on va retrouver ici va, euh, et en fait va vous donner euh, vraiment une, une aperçu de justement cette checklist. Donc pour qu'une divergence haussière soit validée, il faut que la divergence intervienne après une véritable tendance baissière. Hein. Euh, aussi, hein. Donc, les cours ont entamé un rebond technique, une correction dans le cas des divergences baissières. Sur euh, la colonne validation de la divergence, qui est votre réel check -list, on checklist, on elle sera composée de 4 points de validation. Donc, ça va être les quatre indicateurs que vous aurez sélectionnés. Je vous le rappelle, en, en les choisissant ici dans les réglages, hein, ici sur la droite, d'accord Ça va être ces quatre indicateurs-là. Euh, et ils vont être soit validés, soit pas validés. Donc là on a le WTI. Hein. Euh, donc par exemple, ici, on, on a juste à passer la souris dessus encore une fois. Hein. C'est vraiment une exclusivité Wall Data. Vous passez la souris dessus, tout est expliqué. Donc WTI, Wall Data Train Indicateur, suit une pente positive, ce qui confirme la probabilité de poursuite de la hausse des cours. On va sur le RSI. Récemment, le RSI a atteint la zone de survente. Les vendeurs sont affaiblis et cela renforce la validité de la divergence. On redescend ici sur le WIPI. À très court terme, Wall Data Instant Pressure Indicateur montre la présence de la, pré la pression haussière et le stock ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent Récemment, la stock ASIC a atteint la zone de survente, ce qui renforce la validité de la divergence. Voilà. Donc là, c'est alors reste c'est un cas où on a les quatre qui sont validés. On a par contre Solvay. Regardez, Solvay ici au-dessus, aucun n'est validé. Hein et par contre, Umicore, les deux étaient validés ici. Pourtant, elle a super bien marché. D'accord Mais euh, voilà, ça nous donne un degré de précision, une checklist à remplir, un degré de précision supérieur qui nous permet d'être un peu plus précis dans ce qu'on fait. C'est vraiment important. La validation de la divergence haussière maintenant. On va la regarder en, en deux étapes. La première étape, ça va être euh, confirmation du rebond. Donc, comment confirmer le rebond Le contrôle se fait à deux niveaux l'inertie du mouvement et la pression. Donc, l'inertie est mesurée par la pente de, du, du WTI, le Wall Data Train Indicator. Si la pente de l'indicateur est positive, l'indicateur est coché en vert et l'inertie confirme le signal de la hausse, comme vous l'avez vu ici. La pression acheteuse est mise en évidence par le niveau de Wall Data Instant Pressure Indicateur, le WIPI. Hein. Cette fois, ce n'est pas le WTI, mais le WIPI, qu'on a du coup ici. D'accord euh, là, il va être basé sur la position des cours par rapport aux barres précédentes. WIPI positif, ça veut dire les acheteurs dominent le marché, la pression va dans le sens de la divergence, la case WIPI est donc cochée en vert, comme ici. La deuxième étape, c'est l'existence d'une forte tendance. Lorsqu'une valeur subit une baisse conséquente, les indicateurs de puissance, comme le RSI qu'on a ici, et la stochastique qu'on a ici, atteignent des niveaux extrêmement bas, comme les niveaux de survente par exemple. Donc lorsque le RSI a atteint le niveau de survente à 20, L'indicateur est coché en vert comme ici et il valide alors la divergence détectée comme ici encore une fois. Donc le même principe s'applique à la stochastique qui est elle aussi ici validée parce que la stochastique a atteint la zone de survente ce qui renforce la validité de la divergence. Hein, on, on voit par exemple ici sur le graphique, après on a en dessous du graphique des cours le graphique des indicateurs et on peut voir comme on l'a vu ici euh, justement... Euh, ce, qui va, ce qui va en être sur les euh, différents indicateurs. D'accord Donc, ça, ça vous permet d'avoir un degré d'exactitude encore supérieur. Alors, la validation maintenant de la divergence baissière. L'analyse de la validité de la divergence se fait avec des signaux symétriques. Il y a encore deux étapes là aussi. Première étape, la confirmation et la correction. Le WIPI est négatif la pente du WIPI est baissière. Donc, on va reprendre notre exemple là sur. Euh, justement, le grand. Donc, regardez, WIPI pente négatif et euh, pente du WTI négatif. Deuxième étape, existence d'une forte tendance depuis le dépassement de la ligne de 50 de RSI hein, qu'on a ici. Voilà, là qui est effectif sur le grand, d'accord Et on a, depuis le dépassement de la ligne de 50 de la stochastique atteint de la zone de surachat. Et ici, par contre, voilà, dans ce cas-là, le grand n'a pas été validé sur, justement, cette, ce dépassement-là. Donc voilà, ça vous permet vraiment d'avoir cette checklist qui est intéressante. Euh, mais on va ajouter maintenant à notre AT Expert euh, l'assistant le, euh, le, visuel probabilité de retournement qu'on va mettre sur le graphique. Alors, j'ajoute sur le graphique. Alors, vraiment, merci pour vos commentaires. Je vois que vous êtes vraiment euh, très gentil et très en forme ce soir. Ça me fait plaisir. Merci pour vos remerciements. On va continuer comme ça jusqu'à la fin. <laughs> alors. Donc on clique ici, ajouter un assistant visuel, je clique, on tape juste retournement, probabilité de retournement, on clique dessus une seule fois, on clique sur ajouter l'assistant et on clique sur valider. Ça nous le met sur le graphique. Donc là on l'a mis sur le graphique. Et ici on a donc la case de la tendance majeure, on voit qu'on est actuellement sur une tendance majeure haussière, hein, ce qui est tout à fait vrai. Euh, regardez encore une fois, si je vous le remonte sur le graphique, c'est exactement ça. Hop, on est sur cette tendance. Alors. Tac. Vous voyez. Euh, et on a à côté du coup euh, la euh, case probabilité de retournement. Donc on voit ici euh, que on a une divergence baissière et qu'on a un, un, une probabilité de retournement qui est quand même... À 9 sur 10, regardez chaque case représente 1 degré sur 10, donc là on est à 9 sur 10, ce qui est quand même énorme. Euh, donc là c'est plutôt pas mal pour une retournement à la baisse. Euh, L'assistant visuel il contrôle cinq indicateurs techniques pour évaluer la probabilité de retournement de la tendance. Donc là on a une forte probabilité de retournement à la baisse. Donc le cas idéal, bien sûr, c'est divergence plus forte probabilité de retournement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Euh, on a euh, maintenant un autre moyen d'aller plus loin dans notre analyse, c'est d'ajouter le chart expert. Alors là, c'est assez intéressant. Euh, chart expert, on va l'ajouter de la même façon. Donc, je vous remontre, on clique ici. Hein. Alors, je vais juste supprimer tous nos traits, euh, qu'on ait un graphique un petit peu plus propre. Voilà. On l'ajoute de la même façon. Je clique ici. Ajouter assistant visuel. Et là, je viens chercher chart. Voilà, chart expert. Hop. Ajouter l'assistant. Valider. Donc j'ai validé, j'ai ajouté l'assistant et là ça nous ajoute les supports et résistances principaux et mineurs automatiquement. Donc le retournement haussier se produit à proximité des niveaux de support et le retournement baissier se produit à proximité des niveaux de résistance. Si vous respectez cette règle, vous avez vraiment euh, plus de chances d'augmenter vos traits de gagnant on va euh, vraiment aller un petit peu plus loin et pour être sûr que vous détectez des niveaux de support euh, et résistance robustes, on va on vous conseiller de les analyser sur deux unités de temps donc surtout sur une unité de temps supérieure et sur la principale on va euh, prendre un exemple et mettre un graphique en jour et un graphique en, euh, en unité majeure, du coup en semaine, d'accord Donc là, suivez bien ma démarche, c'est très facile, et c'est vraiment une force du Wallmaster de pouvoir faire comme ça. Je vous montre comment ça se passe. Donc, on vient ici, dans Outils, on clique ici sur Graphique, et là, on vient chercher du coup le graphique de Divergence. Donc, on va taper Divergence, voilà, Divergence Pro, je double-clique dessus, il s'ouvre, et là, c'est là où la manip... Euh, il, elle est très simple, il faut juste avoir le, le, le geste. Vous prenez, vous avez vu où j'ai pris En fait, voilà mon curseur et je prends ici dans l'entête. Je clique, je reste maintenu et je viens le défiler dessus. D'accord Et je viens défiler le curseur sur le losange qu'on voit ici au milieu et je choisis soit je le mets au milieu dans le carré, ça va mettre au milieu du graphique, donc ça, ça va me le mettre en onglet avec ce graphique. Soit je le mets sur la droite et ça va me mettre deux graphiques simultanément à côté. Soit sur, la, soit sur la gauche pardon, et soit sur la droite du losange ou soit en haut soit en bas comme c'est une unité majeure moi je vais le mettre sur la droite comme on est en France on lit de gauche à droite je vais donc vous le mettre sur la droite unité principale à gauche et unité majeure à droite donc je relâche le curseur et il se met sur la droite je réajuste les deux d'accord tout simplement un hein. Si jamais un graphique est trop petit à vue d'œil, pas de panique, vous cliquez une fois sur le graphique et vous faites jouer la molette de votre souris qui du coup rétrécit ou augmente les bougies. Ça vous permet de voir beaucoup mieux euh, ce qui se passe dessus et du coup d'avoir une visibilité augmentée sur du coup vos deux graphiques. D'accord Donc là on a euh, voilà, on a ces deux graphiques. Je vais euh, tout simplement euh, remettre mes assistants si j'en ai envie ou pas sur les deux, je vais surtout remettre chart expert, donc même manip, ajouter un, un assistant. Donc je sais pas si vous avez vu où j'ai cliqué, cette fois-ci, bien sûr, on va cliquer ici hein, sur ce graphique, sur, sur, sur le nouveau graphique qu'on a ajouté, on va cliquer sur ajouter un assistant visuel sur ce nouveau graphique. Donc on clique dessus, on appuie ici et on clique, on tape chart, on prend chart expert, ajouter l'assistant, valider, ça nous le met dessus. Et là, on a euh, vraiment, voilà, les supports et résistances principaux et mineurs qui sont tracés automatiquement sur notre graphique. D'accord Est-ce que jusqu'à là, ça va euh, Ou vous avez des questions par rapport à ça N'hésitez pas à me poser vos questions. On est là pour ça. Je vous écoute. Alors, monsieur L, euh, quelle quel courbe, quel indicateur et la plus fiable, alors il n'y a pas d'indicateur le plus fiable. Euh, Wallata vous a sélectionné quatre indicateurs qui fonctionnent très bien, le WTI, le WIPI, le RSI et la STOCK, qui ont vraiment été étudiés euh, en profondeur par rapport à, à ces cas-là. Euh, et du coup, on a constaté que voilà, ils, ils étaient comme expert à divergence est proposé par défaut, c'est une bonne configuration. Après, il y a des gens qui sont d'autres écoles et qui préfèrent mettre tel ou tel indicateur. Mais il n'y en a pas un par défaut qui est le meilleur. Euh, ils sont euh, tous euh, à étudier, bien sûr. Mais Expert, comme il est fait par défaut, euh, est déjà voilà, est sur des, des indicateurs qui sont déjà très fiables. Voilà, alors, euh, juste pour ce que je vous disais euh, de, des périodes de temps, donc là on met celui en jour ici, et on met celui de droite, on le configure hein, sur la semaine. On juste, on, on l'ajoute comme on a fait, et après on le configure. Donc on vient ici en haut et on fait unité majeure une semaine sur cinq ans. Donc là on a ici en jour, et ici on l'a ici en semaine. Donc on va pouvoir voir si au moment, de cette, au moment où il y avait la divergence, donc là c'est une divergence qui a déjà bien progressé, on va, avoir une, on va prendre une divergence qui est a pas beaucoup progressé on va prendre par exemple euh, celle de Rex donc on va on va enlever euh, ici euh, nos, euh, nos petits coloris hop voilà comme ça on va y voir déjà un peu plus clair et on va voir si du coup au moment, euh, alors là on est presque au début, donc on est déjà hein, depuis euh, 3 bars comme c'est écrit ici, d'accord Vous vous souvenez l'évolution de la divergence On est déjà depuis 3 bars comme on voit sur le graphique, il y a déjà 3 bars, 1, 2, 3 qui sont là, mais on est presque au début donc on va pouvoir regarder euh, ce qu'il ce qu en est. Est-ce qu'on est sur un support sur l'autre ou pas Là on est en plein sur un support ici, là où la divergence est donnée en jour, par contre on voit ici en semaine qu'on est entre une résistance à un support, on n'est pas tout à fait sur le support. Et il n'y a pas de divergence contraire ou il n'y a pas de divergence dans le même sens, de la même nature. Donc voilà. Euh, donc bien sûr, le cas idéal, c'est la présence de la même divergence en deux unités. Et le cas à ne pas traiter, c'est la divergence opposée en deux unités. Allez-y, posez-moi vos questions parce que là, ça peut être un petit peu euh, compliqué à ce niveau-là. Même si au final, une fois qu'on l'a mis en place... Voilà, c'est très simple. On regarde euh, notre market pour sélectionner les opportunités. On clique sur la valeur qui nous intéresse. Elle se met sur les deux graphiques. Ici, on a notre graphique en unité principale, sur l'unité qu'on a l'habitude d'agir. Et on a le graphique de droite sur l'unité majeure euh, pour confirmer euh, un peu est-ce qu'on est sur le support ou est-ce qu'on est plutôt sur une résistance. Est-ce qu'on a une divergence de la même nature ou de contre-nature. Voilà. Euh... Alors, monsieur Sola, vous me demandez est-ce que ici on, on rentre ou pas euh, Honnêtement, ici on est déjà ici depuis 3 bars. Euh, donc, il fallait étudier le moment où il y avait écrit new dans votre market analyzer. Parce que, comme vous le savez, les divergences quand elles sont nouvelles, il y a écrit juste à côté new ici. Là où j'ai ma souris, il y a écrit new en trois lettres. Et à un moment où elle apparaît, vous cliquez, vous regardez sur les deux graphiques. Peut-être qu'à ce moment-là, les supports, comme les supports sont toujours évolutifs et pas figés, peut-être qu'à ce, ce moment-là, le support était euh, sur la tendance majeure au même niveau. Et euh, voilà, donc après, le cas idéal, comme je vous l'ai dit, c'est la présence de la même divergence sur deux unités, les deux étant sur des supports. Et le cas ne surtout pas traité, c'est des divergences opposées en deux unités tant différentes. D'accord Voilà. Donc là, je vous donné un peu tout ce qu'il faut faire. Euh, comment vous paramétrer le Chart Expert euh, Alors, le Chart Expert n'est pas à paramétrer. Juste, vous l'ajoutez sur le graphique en ajoutant l'assistant visuel ici. Et euh, c'est voilà, il, il s'occupe de faire le reste. Il n'y a pas de souci. Euh, on va, on va, on n'est pas obligé d'aller chercher dans les détails. On peut euh, aller un peu plus loin dans ses réglages et du coup le mettre en plus haut, en plus bas, en clôture ou encore de chandelier. Comme il est par défaut, c'est très bien. On peut le laisser ainsi. C'est très bien ainsi. Voilà. Voilà. Donc là, je vois que certains me disent qu'ils ont compris. C'est pas mal. Bon. Maintenant, je vous invite euh, à, si vous voulez plus de détails, à voir ça avec votre conseiller personnel ou nous euh, appeler. Je vais vous afficher du coup euh, le site euh, Waldata. D'accord N'oubliez pas qu'on est vraiment disponible toute la semaine pour vous aider, pour répondre à vos questions euh, et pour vous euh, vous accompagner, d'accord Voici le, le numéro qui s'affiche ici en haut euh, au 01 58 71 21 99. On se fera toujours un plaisir de vous répondre, euh, nos clients le savent. Pour ma part, je vous remercie pour la session d'aujourd'hui. J'espère que ça a été constructif et que ça a été surtout euh, intéressant et pertinent et je vous dis à très très vite pour un nouveau webinaire. Bonne soirée à tous et merci infiniment.